Sainte-Hyacinthe, Sainte-Hyacinthe. C'est censé être la capitale agricole de la Montérégie. Eh ben dis donc. À part des bouleaux, des érables, y a rien qui pousse ici. Bon, techniquement, il est 6-7 heures du matin. J'ai réussi à dégoter un petit bouleau pour ramasser des épis de maïs. Bon, ça n'a pas trop l'air d'être la saison. Mon employeur doit venir me chercher ici. Alors ça, c'est censé être l'arrêt de bus. Bon, c'est particulier, hein. Ça fait 20 minutes que j'attends. Il fait pas spécialement chaud. Bien sûr, pensant qu'il venait me chercher, j'ai habité le couteau, j'ai même pas un thermos, même pas un bonnet, que dalle. Mais bon, le soleil se lève à peine, qu'est-ce que c'est que ça? Could end up being useful. Une vieille décharge, ouais. Oh! Nom de Dieu! Monsieur? Monsieur? Ça va? Hope I Monsieur, can still eat this. faut pas dormir là, monsieur, hein? C'est mauvais le froid. Vous aussi, vous êtes là pour la cueillette du maïs? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, monsieur! Ouais, j'ai bien compris. Bon, je vais marcher un petit peu en avant, voir si. Je sais pas, je trouve l'exploitation, non? La ferme doit pas être bien loin. Ce pauvre bougre-là. Vous allez être en hypothermie dans pas longtemps, hein? Bon. Fais la sourde oreille, moi je fais rien pour lui. Hein. Y a personne. Oh là 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 là. Être payé à 84 centimes le kilo pour du maïs pourri. Après, si je trouve pas la ferme, j'y peux rien, moi. Hein. Je vais pas rester à déambuler 3 heures ici. Hein. Oh là là, des lapins. Normalement, je devrais le voir à distance, je sais pas. Oh, j'ai l'impression de voir une vieille maison là-bas. Ah, si c'est ça, sa ferme, on est mal parti. D'un autre côté, ça expliquerait pourquoi il me paye uniquement 84 centimes le kilo. Avec Noël qui arrive, il va falloir de l'argent pour les cadeaux. Fête de merde, ça, Noël. Bon. Et mine de rien, ça caille, hein. C'est des bottes de foin que je vois là-bas. Eh bien, dis donc, la région plus agricole de la Montérégie. Ah oui, je vois. En tout cas, c'est pas les premiers producteurs de foin. Bande de connards. Ah, mais c'est ça. Un tracteur? J'ai accéléré. Putain, mais. Il a l'air de pas avoir bougé depuis des lustres. Putain, c'est même à l'intérieur, c'est tout gelé. Oh! Du soda à l'orange, oui. Y a personne. Hein. J'ai l'impression que je vois quelqu'un là-bas bouger. Bon, je vais sortir de là, il faudrait pas que j'ai des soucis. Par contre, le maïs. Ouf, quelqu'un, c'est une espèce de gros caribou de merde. Bon, allez, je vais directement voir le bâtiment. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Bon. Bonne nouvelle, c'est que si je me chie dessus, ça va me réchauffer. Des loups? Putain, putain, putain. Pays de merde, là. Oh, y a même pas de mur. Fantastique! That'll come in handy. Ouais, pied de biche, pied de biche.
Ça va pas me servir à grand chose, un pied de biche. Hein. Bon, moi je suis bien dans la merde. Oh là là. Ils ont l'air d'avoir opéré un autre codeur. Bon, moi j'ai foncé, j'ai l'impression de voir d'autres bâtiments de corps de ferme. Putain d'agence pour l'emploi. Putain d'annonce pour l'emploi. Mais c'est pas possible. Ah oh oh oh, ça vient d'être le bâtiment de corps de ferme. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, mon employeur se prend pour Robin des Bois, ça m'arrange pas grand-chose. Un second tracteur. Porte de la grange est fermée. Monsieur? Monsieur... Oh là 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 là. Y a quelqu'un? J'ai répondu à l'annonce pour ramasser le maïs? Non, parce que là, j'ai vraiment peur, hein. J'ose le dire. Hein. Monsieur Gadebois? Bon, ça doit être la grange, ça. Mais alors, où est la baraque de l'autre connard? Et tout court, où est le maïs? C'est pas possible de s'être mis dans une merde comme ça. Non, mais là, c'est pareil. Il y a aucun fichu bâtiment, il y a des murs normands. Oh là là. Il n'y a même pas une voiture, il n'y a pas de signe de vie. Putain, mais si c'est cette contrée-là qui est censée nourrir tous les autres au Québec, eh ben mon con, tu m'étonnes qu'on bouffe comme de la merde. Peut-être qu'il est à l'étage. On n'y voit rien. Mélange de crasse et de neige. C'est parfait. Bon. Quoique je suis pas monté à l'étage. Je vais tenter ma chance.